Bonjour à tous, c'est Engal, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième étape de notre Eurotour avec la team Eriengal. On a remporté l'étape de Porte du Hainaut avec Fred Wright. On a pris le maillot de leader également. On va tenter de faire bonne figure à lui avant que tout se décide au cours du contre-la-montre par équipe qu'on cherchera évidemment à gagner. On sait que les contre-la-montre par équipe, bah c'est banco, on met énormément de points à chaque fois. Une étape qui a pas beaucoup d'enjeux pour nous, à part pour le maillot vert. On a quasiment gagné le maillot à poids déjà. Le maillot vert, c'est bien parti, mais il va falloir assurer avec Fred Wright / Féliné. La combativité, peut-être, faut garder un œil. Elle est courte cette étape, donc peut-être que Féliné est déjà safe. On va regarder ça dès le début de l'étape. On est parti. Allez, on part pas avec Féliné. J'ai gardé. on va privilégier Fred Wright pour parce qu'il a le maillot jaune et que c'est lui qu'on va jouer dans le final déjà. Et pour a priori je pense qu'on est bon hein, pour le il y a quasiment aucune chance que les mecs qui sont à un point reviennent sur Féliné. Donc aujourd'hui c'est repos, pas d'échappée pour une fois. Ça peut pas être la fête tous les jours. Série protection Garnalec, protection sur Sutterling et Padoun, protection sur Féliné. Et on va se reposer dans l'optique du contre-la-montre par équipe. Alors, il y a juste une question à laquelle il faut. Une chose à laquelle il faut être vigilante. Vigilant, pardon. Putain, il y a Arbiti qui est parti. Ça, c'est la merde. Alors, il y a 119 km à faire et on a 109 km d'avance. Si je vous dis pas de bêtises. 237, on a 111 km d'avance. Bon, il faut pas qu'il tienne jusqu'aux 8 derniers kilomètres. On va tenter le coup. Et le sprint intermédiaire, on s'y prend un peu tard. Série, qu'est-ce que tu fais? N'oubliez pas hop. De protéger le leader, les gars. La communication est importante. On part avec Wright pour aller marquer. Mais rien du tout, qu'est-ce que je raconte? Ils sont 18 devant. Aucune raison de m'énerver. Ça roule fort par contre derrière, hein. Ça roule fort. C'est très bien pour nous, on reste placé et tout va bien. Classement grimpeur. Allez, on est dans la côte de Borisso. On a un petit groupe de 10 devant avec Ospolit, Nibali, Louvel, Wellens, Vanderhorn, Jacobs, qui me manque. Os, Vanderhorn, Kirsch, Wallace et Pedersen. On est plutôt en mode pépère. Pour l'instant, tout va bien. Les gens qui sont devant nous ne peuvent pas nous prendre le maillot. Du coup, ça nous arrange qu'ils aillent mettre des points. Allez-y, les petits, allez-y, régalez-vous. Prenez ces petits points, délectez-vous de ces petits points et nous tout va bien pour l'instant. On est en... alors ça roule fort quand même, hein. Notre équipe est pas top, mais pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Il faudra faire un... en fait on va garder toutes nos forces pour le mur de oubli vraiment. Hein. Il y a pas de mystère sur cette étape. Jacobs qui s'est fait lâcher devant et Wellens qui met les points. Ça nous change tiens. Allez, on est à 20 km de l'arrivée, un groupe d'échappés légèrement devant avec Os et Vanderhorn qui fait de la résistance, mais rien de foufou. On est encore 126 hein, dans ce peloton, on est en très bonne forme avec Wright, merci la forme exceptionnelle. Féliné est un petit peu moins bien, donc on a définitivement bien fait de se concentrer sur Wright. On va, et Sutterling aussi est impressionnant, on va... donner son gel bleu dès maintenant à Féliné. Il va en avoir besoin. Siri et Garnalec vont bientôt nous abandonner. Et on va se préparer pour le mur de Huy qui n'est plus si loin. Et hop, on va commencer par la côte des refs pour se mettre en jambes. Et je crois qu'on a rattrapé tout le monde. Ah, ça s'excite un peu devant. On va faire en sorte de suivre. Un équipier vient de se faire lâcher. Allez, on passe dans les premières positions. On a déjà le maillot à poids. On a déjà la combativité. On est bien parti pour le maillot vert. Maintenant, on a un classement général à défendre. Et ça pourrait être carton plein en ce qui nous concerne. Il essaye de sortir. Attaque de Birnam Guirmet. Et là, par contre, ça va suivre forcément. Ça attaque. Attention, parce que c'est un candidat. Ça aussi, hein, Birnam Guirmet, ça pourrait être un perso intéressant à prendre. Échappée terminée. 2 km 1. Allez, t'as plus grand chose Féliné, mais vas-y, donne tout pour l'honneur. Ok, j'ai attaqué. Le
Le mur Saint-Léonard. Allez, qui remet avec des une nouvelle attaque. Les 14%. Attention, là. À une première sélection et ensuite il restera 5 Allez, km. L'idée c'est de ne pas perdre trop de rouge sur cette petite ascension. Allez, et Féliné qui y va. Oula, Féliné il y va, mais il y va. Il est au radar le pauvre. Tiens, prends ton rouge. Hop. 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 Et Sutterling. J'ai relayé fort. Qui est encore pas trop mal. Ouais, Féliné par contre, là il va falloir que tu. Non. Tu vas pas pouvoir, hein. Tu vas pas pouvoir faire grand chose. Non, il est en train de couler. Il est en train de couler. Sénéchal qui fait des efforts également. Allez, Trentin qui emmène. 6 km 2 de l'arrivée, on va terminer ensemble. Allez, allez, on tient le coup. Asgreen qui va passer en tête, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas. On va essayer de récupérer un peu dans la descente. Asgreen qui met 2 points, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Et là, on récupère du rouge dans la descente pour se préparer pour l'ascension du mur du oui. Wow, pas mal, pas mal, pas mal ce qu'on a fait là. On a fait une très très belle descente. On va continuer à rouler fort hein, pour obliger les autres derrière nous à faire des efforts. On prend notre bleu maintenant à 3 km. Ok, on s'est fait reprendre, très bien. Ah, j'ai cru que c'était nos gars qui roulaient. Non, ça va. Sutterling, tu vas prendre ton ravito. Et tu vas nous mettre une attaque, tiens, pour la déconne. Le ravitaille. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Là. Attention, ça va bientôt partir. Hop, allez. On attaque le début du mur de Huy. On va remettre une grosse au démarrage. Enchaîner sur du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Allez, 1 km. 1 km. On a pris un petit peu d'avance. Pas grand chose. Mais on aura. Voilà, on s'est fait reprendre très bien. Pourquoi pas Moric et Tens qui sont là. Sauf qu'on a encore du rouge. Et j'ose espérer que eux, ils ont fait pas mal d'efforts. On va arriver sur le passage qui va être très 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 difficile. Evenpool qui tente d'attaquer. Parce qu'on a assez assuré. Ok, ok. Allez, ce qui nous reste de rouge. Et maintenant. Oh ouais, c'est bon. Oh c'est bon ça. Oh c'est bon ça. Allez, deuxième victoire pour Fred Wright. Qui vient d'assurer son contrat pour la saison prochaine. Grosse réussite hein, une nouvelle fois avec Fred Wright. Ça a été, on a très bien joué le final. Hop. Eh, c'est encore parti d'un virage foireux. Hein. Eh, le truc, c'est qu'on est allé tellement fort que je pense que les gros favoris n'ont pas eu le temps de se replacer. Là, on a pris une quinzaine de mètres d'avance. On a bombé dès le pied pour cramer un maximum de rouge pour pouvoir en reprendre. À la fin de ce petit passage, là évidemment c'était plus dur et ça allait revenir sur nous. Et c'est Moric et Tuns, je crois, qui sont remontés sur nous. Mais nous, on venait de récupérer, donc on a suivi le rythme. Derrière, on avait Evenpool, hein. Evenpool qui sautait. Alors ça, c'est Colbrelli là, mais on avait Evenpool qui allait revenir. Colbrelli qui coince un petit peu, qui en a trop fait. Nous, on était frais du coup. Le gros retour d'Evenpool qui m'a fait un peu peur. Je me suis dit, merde, ça va coincer. Et non, on s'impose largement finalement. On peut se permettre même de reprendre un petit peu de rouge histoire de faire un écart encore plus impressionnant. Et la victoire de Fred Wright. La deuxième place qui sera pour Remco Evenpool. Puis, je pense que c'est Dylan Tuns. Non, ça doit être Moric. Colbrelli qui va signer la quatrième place. Puis, alors ça va se jouer entre Pogacar et Dylan Tuns. Allez, la victoire d'étape pour Fred Wright qui conforte son avance, enfin qui crée une avance plutôt au maillot jaune puisque Van Der Poel et Van Aert n'étaient pas là. Le maillot vert sur les épaules désormais de Fred Wright également. Féliné a dû perdre, voilà. Féliné qui se consolera avec un joli maillot à poids, Fabio Féliné. Et Fred Wright qui évidemment a également le maillot blanc. Et alors là, c'est champagne parce que c'est carton plein pour la win, qu'on pouvait pas faire mieux.
On n'a pas perdu la combativité. On est assuré d'avoir le maillot à poids, le maillot vert. Et allez, si on fait pas de la merde sur le contre-la-montre par équipe, je pense qu'on peut aussi avoir le maillot blanc et le maillot jaune. Donc la victoire d'Evenpool devant la victoire de Fred Wright devant Evenpool, pardon. Matej Mohoric fait 3, Colbrelli 4, Tuns 5, Pogacar 6, Kurt Nielsen, Craig Anderson, Van Aert. Van Aert 9ème, hein, c'est décevant. Et Van Der Poel encore plus décevant, 13ème. Ils n'ont pas eu le temps de se replacer, je pense. Ils n'ont pas eu le temps de se replacer. Et c'est tout bénef pour nous. Alors, bon, ça a moins d'intérêt. Donc le classement général, 26 secondes d'avance sur Mohoric. On est frais pour l'emporter. Féliné, 6 points. Wright, 3. C'est parfait au maillot grimpeur. Wright, 114. Féliné, 94. C'est parfait au niveau du maillot vert. Wright, 44 secondes d'avance sur Guillemets. Ça sent bon pour le maillot blanc. Alors la Bahreïn, meilleure équipe. On n'est que 12ème, hein, avec la team Ryan Gall. Mais bon, c'était plus compliqué de se battre par équipe. Et la combativité pour Féliné, assez tranquillement finalement. Bon, bah ça c'est un épisode comme je les aime, où tout se passe bien. On a dû faire carton plein sur les points, 42. 42 points, ouais, ça nous fait 99 points d'avance sur la groupe AMA FDJ. Ok, c'est bien. J'imagine que Fred Wright a mis les 42, c'est ça. Parfait, bon, allez, on va en terminer avec cet épisode. On se retrouvera dans le prochain épisode pour le contre-la-montre par équipe entre Bruxelles, Palais Atomium... C'est la dernière étape. Palais Royal, pardon. Et Bruxelles Atomium, par équipe qui est au programme. 27 km d'un exercice qui me plaît tout particulièrement et qui pourrait nous permettre de marquer beaucoup de points. Pour être encore en jaune ce soir. Mais pas assez pour revenir sur la Alpecin de Koenig. Donc on va pas penser à ça. On va surtout pouvoir assurer notre 8ème place. Et ça, c'est très très bon. 8ème place, ça ferait combien? 1 200 000 1 500 000 avec la 8ème place. Les gars, si j'ai 1 500 000, je vous concocte une petite équipe la saison prochaine. Je garde Fred Wright, c'est sûr. Probablement Féliné. Et les autres, on verra. Padoun, je pense pas, parce que c'est un leader intéressant sur les courses mineures, genre les 3 jours de la Provence ou l'Open Tour. Mais malheureusement, il est beaucoup trop faible pour jouer les maillots à poids sur les autres épreuves. Mais bon, 1 500 000, franchement, on aura moyen de voir et on se prendra un très 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 beau leader. Je vous en fais la promesse. Allez, on en reste là. Merci à tous. C'était Erin Gall. À très très vite. Ciao, ciao.